Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu ne peux pas être populaire. Barbara en est la preuve. Toute la classe adore son téléphone en carton. Même Monsieur Simon s'est ravi. Allô, est-ce qu'on m'entend? Ouais. Qui c'est? Attention tout le monde, il y a une élève riche dans la classe. Ok, Miss Courtney. Assieds-toi. Cette nouvelle fille a l'air super riche. Tu veux être amie avec elle? Ouais, mais pour qui se prend-elle? On dirait que nous avons un problème. Traiter ses camarades de classe avec des choses délicieuses pourrait les amener à t'apprécier. Et oh, c'est dégoûtant! Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ça? Allez, c'est délicieux! Désolée, Courtney, ça n'a pas l'air bon du tout. Mais la pauvre étudiante a toujours quelque chose pour faire plaisir à ses amis. J'adore ça! Wow! Nous voulons aussi des chips! Eh, t'es sérieuse? N'y va pas de main morte pour une collation amicale. Peu importe, tu ne sais pas à quoi tu dis non. La pauvre étudiante est une créatrice de tendance. Oh cool, quel chaton mignon! Tu peux avoir un tatouage? Eh, j'en veux un aussi! Va à la queue. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Donne-moi le meilleur tatouage de tous les temps. De l'or pur? Aouh! Ça fait plus mal que ce que je pensais. Les choses que tu fais pour devenir populaire. Wow! Ces tatouages sont tellement classe. Mais tout ça tombe bien. L'ère des tendances en matière de tatouage est terminée. Hé, regardez ce que j'ai! Qu'y a-t-il de plus cool qu'un tatouage en or? Des bras propres. Quoi? Vous vous moquez de moi? Comment je m'en débarrasse maintenant? Pourquoi suis-je si malchanceuse? Courtney veut montrer son argent. Mais Madame Grinch n'est pas d'accord. Courtney, pourquoi n'enlèves-tu pas l'étiquette du prix de ton sac à main? Que savez-vous des marques? Tu peux être plus prudente. Tu es juste jaloux. Il y a Barbara. La pauvre étudiante ne peut pas s'offrir un sac. Elle doit tout porter dans ses mains. Oh, je suis en retard? Hé, Barbara, viens t'asseoir à côté de moi! Oups, je suis maladroite. Pauvre petite chose. Tiens, prends tes livres. Merci les gars, vous êtes de vrais gentlemen. La fille populaire a beaucoup de fans. Oh non, c'est elle! Ce pauvre gars. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. C'est tellement injuste. Pourquoi cette fille ennuyeuse a-t-elle autant de fans? C'est ridicule. Son casier est plein de cadeaux. Oh, oh, bonjour Dauphin. C'est trop mignon. Que voit-il dans cette fille pauvre? Oui, la jalousie est un mauvais sentiment. Je ne laisserai pas passer ça. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que Courtney a aussi un fan secret. Juste ignorez-moi, livraison d'amour d'urgence. Je vais laisser un message romantique. Oups, oh, tu as été exposé. Courtney, tu es dans un sale état. Ouais, on dirait que le plan a échoué. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître l'or. Prenez les réactifs, tout le monde. Waouh, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Non, merci, je vais laisser la fille pauvre s'en occuper. Je garde tout mon or avec moi. Waouh, c'est riche. Waouh, tu pourrais être aveuglé par tout ça. Que penses-tu de mon sourire en diamant? C'est pas terrible. Et pendant que la fille riche se vante de ses bijoux, la pauvre fille travaille dur. C'est ça, un peu plus et... C'est fini! Monsieur Simon, j'ai réussi! Waouh, c'est de l'or pur! Oh mec, elle a encore pris tout le mérite. Oh, je suis invisible ici. Bravo Barbara, tu mérites ce prix. Tu as la première place. C'est tellement injuste. Personne ne peut résister à une fête VIP. Hé les gars, allez tout le monde. Bienvenue à la fête de luxe. Faites comme chez vous. Même si la table est pleine de nourriture, les vibrations sont éteintes. Qu'est-ce qui va pas? J'ai fait de gros efforts. Hé, Lei, regarde mes diamants.
J'essaie vraiment de manger, là. Cette fête bon marché est différente. Mais les amis ne sont pas venus ici pour manger, n'est-ce pas? Barbara semble préparer quelque chose. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Allez, tout le monde, faisons un concours. Wow, c'est une idée géniale. Et moi, alors? Wouhou! Joli lancé! Qui est le suivant? Vas-y, Lucie! Ouais! J'ai touché la tasse! Vous avez vu ça? À ton tour, Jack! 1, 2, 3, boum! Oh non, t'as raté! Les gars, je peux essayer? Regardez, j'ai une balle! Pas question, retourne à ta fête de riche! Au revoir, Courtney! Et ce burger va à notre gagnant! Je n'y arrive pas! Voici ta médaille en carton! Ouais, on dirait que le plaisir est meilleur que l'argent! Quelle belle séance d'entraînement! Salut, Jack! Besoin d'un chauffeur? Merci, Courtney, c'est gentil de ta part! Ta voiture est géniale! Je sais! Nous y arriverons en un rien de temps! Une fille riche sait comment attirer l'attention d'un garçon! J'adore les voitures de sport! Je sais! Oh, juste une minute! Ce parfum a coûté une fortune! Il va certainement l'adorer! Brrr, qu'est-ce que c'est? De l'orange? Je suis allergique aux agrumes! Désolée, j'ai besoin d'air frais! Je suis désolée, Jack, je savais pas! Oh, Barbara, tu arrives juste à temps! S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici! On dirait que la pauvre Barbara a encore gagné! Quelqu'un peut me dire ce que j'ai fait de mal? Bienvenue dans notre magasin! Je vais essayer toutes ces choses. Et je vais aussi essayer quelque chose. Wow, les prix ici sont fous! Je ne peux pas me permettre ces vêtements. Mais on ne peut pas arrêter Courtney. Je vais tout prendre. J'adore me faire dorloter. Merci de faire du shopping chez nous. Vous êtes la cliente parfaite. Mais elle n'a pas eu de nouveaux vêtements. J'ai hâte de tout porter. Ces choses sont parfaites pour une vraie diva. Non, ce n'est pas mon style. Oh, cela pourrait être utile. J'ai une idée. Barbara a toujours voulu être designer. Allez, allons-y. Wow, vous allez bien, jeune fille? C'est mon look habituel pour l'école. Mais les garçons ne sont pas impressionnés par ces strass. Pourquoi est-ce que je fais ça? Oups, désolée, Courtney. C'est à cause de ta longue traîne. Je suis sûre que vous l'avez fait exprès. C'est difficile d'être une star. Quoi? Un sacré utilisable comme chemise? Oh mon Dieu. Wow, t'es superbe, Barbara. Tu veux jouer avec nous? Regarde comme je suis arrivée loin. Eh mais, vous vous moquez de moi? Un rendez-vous avec une fille riche peut être embarrassant. J'ai une petite surprise pour toi. Wow, quel cadeau généreux! Et puis, il y a ça! J'ai juste pensé que c'était mignon! Wow, il y a une montagne de trésors là-dedans! As-tu dévalisé un bateau de pirates? Oh, Jack, tu es si drôle! Aidez-moi! J'adore dépenser de l'argent! Aouh! Voici ta nouvelle basket! J'ai trouvé que notre rendez-vous était merveilleux! Oh, j'ai presque oublié! Ça te fera penser à moi! Jack ne peut pas supporter ça. C'est fini, j'en ai assez. Oh non, encore toi? J'arrive pas à y croire, c'est encore arrivé. Qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas? Tu sais ce que j'aime chez toi? À quel point tu es normal. Regarde, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est l'heure d'une douce surprise. Mais on dirait qu'il va falloir faire la queue maintenant. Tu es tellement cool. Je peux prendre un selfie avec toi? D'accord, on trouvera quelque chose de plus original. T'es la meilleure. Tu ne peux pas t'éloigner de tes fans. Barbara, je voudrais te donner cette magnifique fleur. Est-ce que vous vous moquez de moi? Je n'arrive pas à m'y habituer. Je suis désolée, mais ça ne va pas marcher. C'est l'inconvénient d'être populaire. C'est juste la vie. Ces patchs en carton sont tellement relaxants. En attendant, tu peux coudre tes vieilles chaussettes. Oh non! Le fer à friser ne fonctionne pas. Allez, tourne! Oh, je sais comment je vais t'aider. Oh, allez, va-t'en toi! Je connais une super astuce de vie pour les boucles. Tu auras besoin de chaussettes. Quoi? Tu te moques de moi?
Comment ça va aider mes cheveux à friser? C'est facile! Tu vas adorer, je te le promets! J'ai l'air stupide! Attends! En attendant, faisons une décoration avec des trombones. Ce sera mignon! Répète après moi. Comme ça. Ah ah! Je l'ai eu! Wow, si facile et si simple! C'est fait! Essayons le collier! C'est le moment de laisser tomber les boucles! Wow, c'est incroyable! Merci Barbara! Qu'est-ce que je ferais sans toi? Votre attention, les élèves! Faisons un test! Oh non, pas question! Je suis meilleure que ça! Maintenant, voyons voir! Voici la bonne réponse! Tricheur! Quoi? Oh oh, on a des problèmes! Donnez-moi vos téléphones! Comment osez-vous? Je vous retire des points! Miss Courtney! Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Je ferais mieux de voir par moi-même. Oups! Je me suis fait prendre! Je vous regarde! Oh, pas mal! Les gars, regardez! On dirait que Monsieur Tyler s'est un peu emporté avec le jeu. C'est notre chance! Faisons-le! Psst, Courtney! Dépêche-toi de tricher! Je suis impressionnée! Toute la classe a bien réussi les tests! Vous m'avez vraiment surpris! Oh mon Dieu! J'ai eu un A+! Regardez ça! Courtney, tout ça, c'est grâce à ton téléphone! Merci! Waouh! Alors, on est amis maintenant? Tu as aimé notre nouvelle histoire d'école? À ton avis, pourquoi l'élève pauvre est-elle si populaire? Dis-le nous dans les commentaires! Like cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos sur les différents styles de vie sur Troom Troom Wow!